Donc nous on va pour 20e épisode, donc je m'excuse pour évidemment j'ai pas vu qu'on est arrivé à la fin. Donc nous reprenons, on s'est arrêté la dernière fois dans Earth of Iron 4 avec l'Union Soviétique. Alors je redis ce que je disais dans l'épisode précédent, si vous avez une idée de pourquoi j'ai ma division aéroportée qui manque de troupes, dites-le moi, je serais curieux de savoir pourquoi. Je suppose que c'est un crash d'avion ou qu'un avion a été abattu, etc. Enfin bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en savez, pour ceux qui le savent, si vous savez pas, bah tant pis. Je découvrirai bien et je verrai bien, parce que je vais sûrement réitérer ça. Alors, pour petit rappel, on a commencé l'invasion de l'Angleterre, on a perdu 23 divisions du feu d'un amiral qui a mal fait son boulot. L'armée de Hongrie est quasiment morte, de par sa faute. Cet amiral a été déporté au goulag, définitivement. Mais bon, peut-être qu'un jour l'Union soviétique retrouvera une utilité à sa personne. Et ça, on avisera bien. Donc là, on va lancer les derniers points de secours de troupes au sud. L'armée de Hongrie ne peut plus combattre, hein, on va pas se mentir. Enfin, pas avec les pertes qu'elle a eues dernièrement. Alors, en tout cas, l'invasion d'Angleterre se passe plutôt bien, donc ça, on va pas trouver ça un peu trop mal. Bon, cette division-là qui va mettre beaucoup de temps à se remettre, je sais pas pour quelle raison, mais c'est pas grave, hein. C'est sûrement après, je pense que c'est un petit peu de fluff, un avion qui se fait abattre, après tout, il n'y a pas ce principe total d'aérienne. Bon, la campagne d'Afrique se passe bien, on a quasiment libéré l'Espagne avec l'armée de Pologne. En tout cas, l'armée de Pologne fait un sacré boulot. La guerre, en tout cas, je pense que la première grande étape de cette guerre s'est plutôt bien passée, étant donné qu'il va rester quasiment rien en Europe et en Asie. Mais il restera encore les États-Unis à s'occuper. Et ça risque d'être compliqué, je pense, les États-Unis, je vais pas mentir. Là, je vais séparer les deux armées, parce que sinon, je vais jamais réussir à m'en sortir avec une si grande ligne de front. Alors, en tout cas, l'avantage de ce qui se passe en Espagne, c'est que toutes ces divisions-là vont plus ou moins disparaître. Bon, il y en a certains qui se replient dans des ports, donc c'est dérangeant, mais c'est pas dérangeant en soi. Ça refera quand même pas mal de pertes. Au niveau de la résistance, c'est assez massive, mais l'armée de Pologne s'en occupera une fois que j'aurai terminé de secourir les Espagnols. Mais pas bon, j'ai pas vraiment le choix de toute façon. Je suis obligé de faire de cette manière-là. Donc cette fois-là, j'espère qu'elle sera bientôt réparée. Là, il faudrait que j'arrive à prendre ce port-là pour y replier ce petit bout qui reste de... Putain, je sais même plus comment s'appelle cette province. Espagne. Cornouaille, je crois que ça s'appelle. Si je me trompe pas. Donc
Donc on va exterminer le reste de cette division-là. On va avancer dans Yorkshire, ou embargo sur Allemagne. Gangman et Adler's Alley, les Royaumes-Unis, fait un embargo sur eux, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Enfin bon. C'est vrai qu'après, parfois le jeu il dérape un peu. Et en tout cas, dans cette vidéo, ce qui est prévu, c'est qu'on aille récupérer Singapour pour au moins terminer les problèmes de pénurie de ressources. Bon, le royaume de Libye n'est pas en guerre contre nous, donc ça, c'est un bon avantage. Comme ça, entre cet épisode 20 et le 21, je pourrais un peu réorienter la production, un peu regarder ce que j'ai envie de produire pour préparer la suite de la guerre, quoi. Et anticiper les événements à venir. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de refaire le travail quand même de Espagne, c'est quand même dérangeant, quoi. La Suède, je sais même plus si elle a capitulé, la Suède, je crois pas. Je sais même plus. Non, je crois pas qu'encore capitulé, faudrait que je prenne encore Copenhague. Enfin, la ville qui est à droite de Copenhague, c'est plus son nom. L'état du Japon a capitulé, c'est pas trop tôt. Voilà. Au moins, c'est terminé pour de bon. Alors, l'Afrique, y a pas grand chose à dire en fait. Ce qui est dérangeant en fait sur Heart of Iron 4, c'est qu'on a vraiment pris un gros avantage sur l'adversaire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire à part regarder, ben, écraser les troupes adverses. C'est l'un des soucis qu'on peut assez important du jeu, ça on va pas le nier. C'est on met nos armées, on fait nos lignes de front, quand on joue, on doit réfléchir à plein de choses, on doit réfléchir à production, réfléchir au point d'assaut, etc. Mais quand on regarde, c'est toujours le souci, c'est. En soi, on regarde quoi? Ben, on regarde une ligne de front qui avance, on regarde quelqu'un en train de gérer sa production, etc. En train de regarder un peu tout, mais voilà. Donc. Mais d'un côté, voilà, c'est un jeu qui change d'habitude, c'est pas les jeux de stratégie que je fais habituellement. Mais bon, moi je trouve le jeu très agréable, surtout à jouer, je vous invite à essayer d'y jouer un coup, de tester. Le montage ça permet de faire vraiment des beaux combats, les batailles navales, je commence à peu près bien les comprendre. J'expliquerai, là c'est la capitulée, c'est pas trop tôt. J'essaierai d'expliquer vraiment en profondeur le gameplay naval quand quand je serai vraiment dedans. On va récupérer des territoires suédois. Et Batailles navales, c'est un. En fait, à force de les faire, vous les comprenez. Mais il m'a fallu quand même du temps pour les comprendre. Batailles navales, type flotte contre flotte. Je sais qu'une flotte est limitée à 4 porte-avions pour efficacité maximale. Je sais qu'il faut des navires écran, etc. Et maintenant, je commence à peu près à comprendre leur système symbolique des batailles navales. Je commence à peu près à les comprendre maintenant. Quand vous avez une flotte mixte en fait, avec un peu tous les types d'unités possibles et inimaginables. Donc maintenant, là il va être temps de faire de la répression pour récupérer énormément d'industrie. Ça risque d'être long, mais c'est obligatoire là pour la suite.
Voilà, toute la France. Je veux récupérer l'intégralité d'industrie possible en Europe. Donc la Belgique, le Luxembourg. Voilà, l'Allemagne. Cette armée-là, ben, je vais supprimer ses ordres et je vais ordonner de nouveaux ordres. Voilà, comme ça, ils s'occuperont uniquement de la Grèce. Ici, je pense que mon armée de Pologne serait capable de s'en occuper, la France aussi. Et après, j'envisagerai pour épée scandinave, j'aviserai en temps voulu de ce qu'il y aura à faire là-haut. Ouais, je vais peut-être leur donner des territoires de Danemark aussi à neutraliser. Enfin, j'aviserai. En temps voulu, ça c'est. Ouais, voilà. Autant ordonner. Non. Non, je sais la connerie que je vais faire, voilà. Voilà. Voilà, je me suis souvenu de la connerie en fait. Quand j'ai vu que j'ai mis le truc en Suède en fait. Et il faut faire un clic droit sur la zone si vous voulez l'enlever et pas faire suppression d'ordre, sinon on supprime toutes les ordres de patrouille. Voilà mon erreur que j'ai fait. Et... bon, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc l'Allemagne, j'ai toujours un petit doute avec l'Allemagne. Ouais, ce territoire-là, ici, était mort. Ouais, ce territoire-là. Et ici, normalement, il devrait rien avoir. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, les troupes vont se mettre en répression un peu partout. Ouais, allons-y. Je vais laisser aux armées terminer. Je pense qu'elle est largement capable de terminer. Parce que Norvège est quasiment tombé, je doute quand même qu'un Norvège ne soit pas capable de. Enfin, je pense pas qu'un Norvège puisse résister à l'armée des Pays-Bas. Ce qui dérangeait l'armée des Pays-Bas, c'est qu'elle est en confrontation avec les armées norvégiennes et suédoises, mais voilà. Donc là, je vous ai montré vite fait aussi, faites attention, vous voyez des petits bonhommes à côté des différentes divisions dans une armée. En gros, ces petits bonhommes ont des compétences qui leur sont propres, des niveaux qui leur sont propres, et des, enfin, en Proublard, etc., level 1, 2, 3. Et ces bonhommes scan, vous savez qu'il y a la division qui contrôle, donc la petite division qu'ils ont sous leur gouvernement. Alors que le chef de division que nous, on est tous capables, donc là, par exemple, Zhukov, Pax Romana, en vrai, un conflit sur les autres continents, faut quand même... Roosevelt annonce un nouveau programme de politique étrangère visant à maintenir la paix sur son continent. Tout gouvernement du continent américain peut faire appel aux États-Unis pour une protection militaire. Très bien. Il veut que foute la merde. Bah, ça gère. Qu'il le veuille bien. On va essayer de créer des soucis là-bas. Donc voilà, c'est. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça se passe bien au niveau des États-Unis qui m'ont fait oublier ce que j'étais en train de parler. C'est agréable ça. De toute façon, notre but c'est de prendre Singapour. On n'a pas d'autre objectif que la prise de Singapour pour le caoutchouc qu'on est en pénurie depuis plus d'un an. Mais bon, voilà. Et le caoutchouc à première fois que vous avez matériel mécanisé en positif depuis un moment quand même. Depuis un bon moment. Ah oui, c'est l'armée des Pays-Baltes, je parlais. Donc l'armée des Pays-Baltes est puissante, je vais pas mentir, mais ce qui posait problème, c'est qu'elle était, de la manière dont était son front, c'était un front qui était très mal foutu. Et largement en sous-nombre. Donc de toute façon, depuis qu'on a à peu près fait un front droit avec la Suède et la Norvège, c'était beaucoup plus facile. Pour elle. Ah mais non, faut plus. Sincèrement, l'Espagne quand vraiment m'énerver, ça à pas être capable de s'occuper de ça, c'est quand même impressionnant quoi. Enfin bon, c'est l'Espagne quoi. Oh, on a quasiment. Par contre là, on voit l'utilité des radars.
Les radars qui... Tout ce qui est en bleu, c'est les radars en fait. C'est tous les. Bah là, on va pouvoir délocaliser, enfin enlever toutes ces unités qui servent plus à rien, étant donné qu'on est au sud de l'Angleterre. On va. Voilà, c'est le problème. Je vais continuer sans aucun chasseur, je pense, au nord. Parce que je vois pas ce que je vais pouvoir faire en fait avec des chasseurs. Honnêtement. Par contre, faut que je réfléchisse à une technique d'invasion des États-Unis et ça, par contre, ça va être une autre galère. Je sais que les États-Unis, ça risque de. Il faut une rébellion. Il faut un coup d'État assez massif aux États-Unis, ça, c'est une certitude. Je vais pas me permettre d'avoir un petit coup d'État qui éclate là-bas, sinon ça risque de mal tourner pour moi. Mais bon. Mais bon, on sait jamais quoi. Voilà, bon. À mon avis, l'armée des Pays-Bas, elle seule peut occuper l'intégralité. Bon, Norvège a capitulé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah. D'accord, en fait, c'était. J'ai à peine de me rendre compte en fait qu'il reste un territoire norvégien non capturé en fait. C'est-à-dire qu'il y a des troupes adverses. J'ai cru que c'était un débarquement quand j'avais filmé, mais en fait non, c'est simplement que j'ai mal fait mon boulot. D'accord, ils ont oublié de bouger. Ces troupes-là n'ont pas bougé en fait. Les troupes d'Ukraine, d'accord. C'est marrant. Ouais, mes troupes vont mettre du temps à se déployer un peu partout, mais normalement j'ai récupéré énormément d'industrie. L'industrie britannique, ça sera compliqué de la garder intégralement. C'est là qu'avoir des troupes de. Avoir des bonnes troupes pour se défendre de tout ça, ça peut être pratique, mais bon. Il y a 18. Mais j'avais souvent si c'était plus haut, ils ont quasiment 20 000 appareils à E2 au maximum, quoi. Et au minimum, ils doivent avoir bien avoir 12-15 000 appareils. Alors c'est pour vous dire, hein. Bon, cette offensive, on arrête. On va faire un plus grand point d'offensive. Le but, c'est quand même de récupérer l'Ethiopie, in fine. Donc, faut bien qu'on avance partout. Je suis déjà à 20 minutes, non, 18 minutes de vidéo. Faut que je fasse attention quand même que je fasse pas comme ma vidéo précédente où j'oublie de vous dire au revoir quand même. Donc, je m'en excuse. Je m'en excuse. Voilà, on va capturer les derniers territoires. La musique est toujours aussi agréable. C'est. Philippines, États-Unis. Ouais, les Philippines, ça sera simple, de toute façon. Les Philippines, je ferai peut-être un bien débarquement aérien dessus, ça ira assez vite. Bon, quoi qu'il en soit, mais. Je me suis toujours parmi quand même des 23 divisions que j'ai perdu, quoi. Mais par un mouvement, mais. Ouais, j'ai fait une erreur, mais honteux, quoi. Il a déjà gagné un level. Et si au sud, on va bientôt réussir à prendre. Enfin, à éliminer les dernières troupes au Cornouailles. En Norvège, je suis en train de reprendre l'initiative, j'ai pu voir vite fait. On a battu One Wing. Il y a Crazy Call. Chaka a battu One Wing. Oh, j'aime bien tous ces petits pop-up, ça rend tout un peu plus vivant. Avec la Norvège. Et je me suis toujours pas rendu compte à ce moment-là. Ça se voit que j'étais vraiment concentré sur la répression, quoi. Ça se voit que j'étais vraiment concentré dessus. Ça arrive en temps voulu. Là, je viens de me rendre compte. Là, on s'en rend compte, normalement. Non, même pas. Ah, si, rassure-moi, je l'ai vu. Ah bah. Il a quand même fallu quand même quasiment une minute pour me rendre compte de ça quand même.
Bon, après, voilà, c'est normal. Quand on est concentré sur une tâche, on voit pas forcément les autres tâches et ça nous peut faire des erreurs, quoi. C'est tout à fait normal. L'avantage, c'est que maintenant, avec toute cette répression-là, je vais pouvoir récupérer un grand nombre d'industries. Enfin, récupérer. Plutôt, il y aura un grand nombre d'industries qui ne sera pas démolie. Enfin, qui sera réparée et qui pourront pas être de nouveau démolies par la résistance. Qu'il y aura une garnison qui dissuadera la résistance de refrapper. Ce qui nous aidera fortement pour. Notamment préparer notre armée pour les guerres à venir. Ah d'accord, c'est bon. Les 23 divisions... Regardez dans le gros, vous voyez que j'ai perdu une division. L'orage botanique a enfin capitulé. Donc j'en ai plus que 23. Je m'étais posé la question quand je m'étais rendu compte. Je me rendrai compte bien plus tard. Je me suis posé la question de quand ça s'est, j'en avais plus que 23. Mais en fait, c'est les 7 convois qu'on vient de voir qui ont été démolis. C'était... C'était cette infanterie. Ça explique tout en fait. Bon, parfois il faut le temps pour que je m'en rende compte, mais je m'en rends compte au bout d'un moment. Hein. Quoi qu'il en soit, l'Afrique ça se passe. Là-bas. Sincèrement, j'ai plus envie d'intervenir pour aider l'Espagne. J'ai passé tellement de temps en fait à aider l'Espagne depuis le début. Enfin, au début contre la France, c'était normal. On était tous les deux dans une situation où l'Espagne était vraiment discutée. C'est normal que j'aille lui donner un coup de main. Mais elle avait réussi à reprendre l'initiative tout seul sur le Royaume-Uni. C'est quand le Canada est revenu en renfort qu'elle a pas réussi à tenir. Donc, je suis bien d'accord de lui envoyer toute l'armée de Pologne une fois, mais pas à 150 reprises, quoi. Ce qui est normal aussi. Ce qui est tout à fait normal. Moi, c'est des troupes américaines apparemment qui protègent les dernières troupes de résistance norvégienne. Mais bon, on sait tous que c'est voué à disparaître ces troupes-là. Hein. On envoie la flotte. Encore une division en moins. C'est toujours intéressant de démolir de division, ça fait toujours des troupes en moins à affronter ultérieurement. Donc l'Ethiopie, on y est bientôt. Ah si, je suis en train de me dire, il y a une utilité à la campagne d'Afrique. C'est arrivé jusqu'à l'Afrique du Sud pour capturer l'Afrique du Sud. Bon, je sais, c'est une utilité très particulière, mais bon. En soi. Ça peut permettre de neutraliser l'Afrique du Sud. Donc d'éviter de faire encore une guerre pour aller devant encore la chercher. De toute façon, c'est un peu mon but là. La campagne d'Afrique, c'est neutraliser tout ce que je peux neutraliser. L'armée, les 24 divisions de marine en Asie devront s'occuper pour récupérer un peu partout, hein, récupérer notamment l'Australie. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et récupérer un peu les. Certaines archives, quoique faudrait voir les ressources que j'ai. C'est vraiment j'ai des pénuries en ressources. J'ai récapturé les colonies britanniques, les colonies des Pays-Bas. Qui a juste en dessous, ça doit être le Siam, je crois, la région du Siam. En dessous de Singapour, je sais plus comment ça s'appelle, il y a les types d'archipels d'îles allongés. Donc j'irai récupérer celle-ci. Ah mais j'ai déjà fait une bonne variante en plus de ce tank là quoi. Donc, un gars en plus. Et j'attendrai directement le marque 370 XP. Je changerai pas ma production avant d'avoir le Mark 3. Enfin version numéro 3. Les soviétiques ont une numérotation différente, par exemple. Je sais que les Allemands c'était OV A, OV B, OV C, OV D. Je prononce probablement très mal, mais voilà, c'est différentes variantes des modifications qu'ont eu le char, notamment au niveau du châssis. Il y a eu beaucoup de modifications chez les Allemands. Les Anglais c'est des marques. Marque 1, marque 2, marque 3.
Et après, voilà, chaque faction de toute façon a son type de numérotation au niveau des différentes variantes. Par exemple, les Sherman, c'était M1, M2, M3, M4. Je crois qu'il y a une variante M5 de Sherman. Mais bon, les M, de toute façon, c'était tous leurs chars à partir de qu'ils ont commencé les Sherman. M26, c'était les Chaffee, par exemple, les chars légers. Vous avez après les M46, c'est les Patton. Enfin, M26, c'était le Sherman. M60, c'était le Patton. Même quand c'est M46, c'est Patton. Donc après bon, c'est des variantes, après tout dépend des factions, et vu que je connais pas chez les Russes comment ça s'appelait, ou... Ben, j'ai pas changé ça par... j'ai laissé Mark 1, Mark 2, Mark 3, et voilà. Les Chinois c'était type 1, type 2, type 3 par exemple. Si je me trompe pas, à vérifier, mais de mémoire c'était ça, c'était type 1, type 2. Il y a pas de militaires que j'utilise pas encore, mais ça va, voilà, c'est... J'attends un peu de répression, un peu de réparation, puis je réutiliserai. En tout cas, c'est bien. Une fois qu'on a Singapour, on a le caoutchouc, on a beaucoup de tungstène, on a un petit peu d'acier, je crois. Mais bon, la seule ressource qui nous pose actuellement problème, ça s'appelle le caoutchouc. Et là, vous allez voir ma grande campagne d'industrialisation nucléaire. Alors, à savoir qu'une usine nucléaire coûte 15 000 de points de construction d'usine civile. Alors qu'une usine, je crois, une usine militaire, je crois que ça ne coûte que combien 1000 et quelques, je crois que ça doit coûter 3750, je crois, une usine militaire. 7500 une usine civile. Voilà, Géorgie, on s'arrête là. Crimée. Là on voit vraiment faire une grande campagne nucléaire. Alors chaque, il faut savoir qu'une fois que j'ai fait un drone de technologie, je pourrais utiliser l'arme atomique. À chaque centrale nucléaire que j'ai, une centrale nucléaire permet de fabriquer une bombe en X temps. Enfin en pourcent, X pourcent. Et plus vous êtes centrale nucléaire, plus vous allez conserver des bombes nucléaires. Une bombe nucléaire va pas faire de dégâts à l'unité en soi, mais va dégommer toute infrastructure dans une zone. Honnêtement, j'aime bien cette idée-là, parce que je me suis rendu compte que quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous avez seulement d'industrie, vous avez beaucoup de centrales nucléaires, si à chaque fois que vous pensez une bombe nucléaire, vous détruisez toutes les troupes qu'il y avait en dessous, certes, ça serait réaliste, mais vous vous rendrez compte que ça simplifierait beaucoup la guerre, et tout le monde rusherait le nucléaire. Là, on se rend compte que rush nucléaire n'est pas forcément si utile que ça. J'ai gagné. Il y a pas mal de troupes qui sont revenues là. Faut que je regarde s'il n'y a pas un autre capitaine qui peut m'aider pour. Excusez-moi. Non, il n'y a pas. Je me demandais s'il n'y en avait pas un qui pourrait m'aider à renforcer ma production nucléaire, mais non. Offensive continue, on a bientôt. Donc on a bientôt terminé recherche d'armée terrestre. C'était assez long de tous les avoir, mais au final, on les aura tous. Hein. On les aura tous. Et en plus, l'avantage des recherches nucléaires, c'est que ça augmente. Bon, c'est des recherches plutôt longues, je crois que c'est la recherche les plus longues du jeu. Et de mémoire, ça augmente de 2 ou 3% la recherche globale. Bon, c'est comme les ordinateurs, ça augmente de quasiment rien du tout, mais c'est toujours utile quoi. Quelques pourcents en plus, on va pas dire non quoi. Donc là, maintenant, la prochaine ligne offensive, c'est finir en Angleterre et passer sur l'Écosse. Pas mal, pas mal. Finalement, mon nouvel amiral de ma flotte de sous-marine fait du bon travail. De croiseur de bataille, de battleship, un croiseur lourd. Pour que 12 ou 13 sous-marins détruits, enfin perdus plutôt. C'est honnêtement très respectable. Donc production, c'est là je vais vraiment décider, je vais arrêter de faire des sous-marins. On va faire plein de convois, on va rechercher beaucoup de technologies pour les battleships notamment.
Et j'ai pas envie. Le problème, c'est si je m'amuse déjà à faire des bâtiments de, entre guillemets, de seconde zone, donc des destroyers de petits level, des. Non, lui, il a plus le droit de combattre, lui. Il a plus le droit de combattre. Il a fait. Il y a 600 000 personnes sont mortes par sa faute, il a plus le droit de combattre. Ouais, on va. Je vais sûrement mettre surtout le. Carte des partisans. Voilà. Y a que cette zone-là allemande où j'étais. Bon, maintenant les colonies, mais bon, ça a aucune importance pour moi. Parce que la majorité des industries sont déjà sous domination et sont protégées, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, ça se passe plutôt bien et. Même vous vous rendez compte qu'au final, quand vous avez énormément d'armées, vous n'avez même pas besoin de trop spécialiser dans la répression parce que vous avez tellement de troupes que ça suffit amplement pour faire votre travail. Allez, faut prendre Singapour, c'est mon objectif. Il me faut, en gros, il me faut à tout prix cette industrie-là et ces ressources-là pour pouvoir faire la suite, quoi. Que si je veux pouvoir si j'ai envie de pouvoir réorienter toute ma production du fait que là j'arrive à quasiment arrêter tous les partisans en Europe, donc les zones les plus industriellement sous ma domination, il faut que. Ah, c'est un port, ouais, bon, ça sert à rien que je fasse une poche, c'est un port. Il faut que j'arrive quand même à avoir les ressources nécessaires. Et là, vu que j'ai envie de savoir en fait, avec ce que j'ai envie de lancer en production, je vais pas vous montrer quand même avant. J'ai fini de faire mon ce que j'ai envie de faire. De savoir c'est qu'à production hein, avec les ressources actuelles je peux tenir à production ou pas. En sachant que ma flotte ne sera toujours pas lancée en production. Hein. La construction de navires prendra beaucoup plus de temps, ça on va pas se mentir. Mais c'est normal, c'est toujours compliqué de construire beaucoup de navires. Hein. Ah, c'est pas que c'est compliqué, c'est. J'ai tellement pris de retard en technologie navale. Pour pas dire que j'en ai quasiment pas fait depuis le début. Que maintenant je vais en payer le prix hein, de ce retard naval et. Mais bon, j'ai. L'avantage c'est que j'ai des sous-marins un peu. J'ai des bons sous-marins quoi. De plus, j'ai beaucoup de bombardiers navals, donc récupérer les. Enfin, démolir les flottes adverses qui sont à proximité de mes côtes, ça le fera avec mes bombardiers navals que j'ai. Enfin, le grand stock que j'ai, plutôt. D'accord, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Vous voyez, j'ai toujours pas rendu compte quand même que j'ai que 23 divisions dans les rouges quand même. Les tungstène, acier, chrome, aluminium, pétrole. Tiens, j'ai plus de pénurie de pétrole. J'ai. Le Raj britannique a peut-être des puits de pétrole. Ou peut-être parce que. Ou autre. Je sais pas. Peut-être qu'avec tous les terrains conquis. Je sais. Bon, quoi qu'il en soit. On a enfin récupéré du pétrole en plus. Toujours plus d'usines civiles, c'est un bon point pour nous. Ça, plus on a d'usines civiles, mieux on se portera. Donc, pour continuer, oula. Qu'est-ce qu'il fait? Là, apparemment, mon plan, il veut faire un mouvement d'encerclement au niveau de l'Italie. Je comprends pas pourquoi. Donc, j'ai trop plus à côté. Oh, bah bon, c'est pas la première fois. Qu'on a des soucis là. Ah. Chine méridionale. Gunzanvan. Ça sort moi depuis Philippines doivent débarquer, je pense. Mais bon, de toute façon, j'enverrai mes troupes marines là-bas une fois que j'aurai fini la dernière poche de résistance du Raj britannique. Ce qui, mine de rien, va demander encore un tout petit peu de temps. Offensive continue, c'est terminé. Donc on va pouvoir lancer des nouveaux navires. J'aime le temps de faire le gros.
quoi que. Je sais pas en fait, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il mieux vaut un cuirassé de niveau 4 standard ou un cuirassé de niveau 4 lourd? Enfin un super cuirassé type Yamato, qui est le super cuirassé japonais et je pense le plus courant et le plus connu. Bon là je viens de me rendre compte j'ai pas ma division, c'est pour ça que vous l'avez vu en plus. Je sais pas si c'est plus efficace d'avoir un cuirassé de niveau 4 standard ou d'avoir un super cuirassé de niveau 2. Bon, les deux sont de même niveau à la fin, vous avez les deux en 44. Mais je n'ai aucune idée utilité, enfin utilité ni idée de qui est le plus efficace entre les deux. Il y en a un qui est plus rapide, qui est plus mobile, qui a moins de puissance de feu, c'est vrai, mais l'autre est beaucoup plus puissant mais est moins manœuvrable. Avec le Japon, j'ai toujours fait des Yamato parce que le navire est emblématique. J'ai jamais dérangé à faire autre chose. Singapour va être long à prendre, mais une fois qu'on aura pris, les ressources afflueront en grand nombre. Et nous en sortirons. Canon anti-char de niveau 3 fini, donc on n'a plus de canon anti-char à faire. Croiseurs. Ouais, des croiseurs légers, faut que je fasse. Quoique, il me faut aussi des destroyers. Il me faut des destroyers pour lutter contre les sous-marins adverses qui sont en grand grand nombre. Ça, on va pas le nier. Peut-être moins que moi, quand même. Je pense pas qu'ils en aient tout. Comme moi, j'en ai 300. Mais toutes les flottes apportant quelques sous-marins pour notamment attaquer les convois discrètement. Et avoir des destroyers efficaces, c'est pas, ça serait pas plus mal. Mais le souci, c'est que les destroyers n'ont que 2500 portées opérationnelles depuis les ports. Et donc très vite, vous les destroyez, ben, on a très vite un souci avec les destroyers, c'est quand on a une grande flotte, les destroyers vont être l'unité qui va limiter la distance opérationnelle de la flotte. Et c'est pour ça que généralement, ben, j'ai déjà vu des personnes qui, dans leur grande flotte du Pacifique avec le Japon ou avec les États-Unis, ne mettaient aucun destroyer, mais uniquement des croiseurs légers. Et je suis navré de le dire, mais les croiseurs légers au bout des navires écrans, ils sont beaucoup plus, je vais pas dire futiles, mais ils sont beaucoup moins efficaces contre les sous-marins. Ils ont beaucoup moins, ils ont un sonar moins efficace, ils ont beaucoup moins de puissance de feu contre. À tout point de vue, ils sont moins efficaces contre. Et voilà, après c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on se permet d'avoir des destroyers dans ces flottes-là ou pas? Moi j'ai envie de dire oui. Ça limite les options tactiques, ça limite beaucoup de choses, c'est vrai. Mais ça serait quand même bête de perdre tous vos croiseurs légers, puis après de perdre tous vos navires lourds à cause d'un ennemi qui s'est amusé à faire énormément de sous-marins. Oui, c'est comme là, j'ai une frappe aérienne avec des sous-marins, vous avez vu le génocide qu'il y a eu dans les rangs britanniques. Voilà, ils ont perdu. Depuis qu'ils commencent à les envahir, ils ont 40 navires de moins quand même. Au maximum. Donc autant vous dire que c'est des assauts qui payent au bout d'un moment. Cette faute-là est en grand beau. De toute façon, cette faute-là, je vais pas vous mentir, elle va être démobilisée. Il va être démobilisé pour des max 3000 km. Croiseur léger 2400. C'est tout du niveau 1, et quand on va arriver au destroyer, 1500, voilà. Voilà, 1500, donc ça limite de moitié en gros la portée opérationnelle de votre flotte. C'est en ça que je reproche la faiblesse des cuirassés, des destroyers. Donc c'est pour ça que l'expérience navale, je vous conseille de les foutre dans les destroyers pour augmenter leur portée opérationnelle. Pour créer des variantes qui sont... qui peuvent effectuer l'opération sur une distance beaucoup plus lointaine. Et post-vidéo, j'encadrerai entre la classe Stalingrad et la classe Projet 23 bis, lequel est le meilleur entre les deux, quoi. Bah, vous voyez, 2500 km max. 2500, ça fait quand même déjà un bon petit nombre, donc c'est encore gérable. C'est encore gérable. 4500 pour les croiseurs légers.
Surtout que là, il faut se dire que j'ai tout l'Europe, donc j'ai accès à toutes les bases européennes pour les flottes. Ouais, je sais la grande différence, gars. Je pense que ça sera sur la mobilité que ça se jouera la différence entre les deux types de cuirassés. L'un, le super cuirassé, ayant un blindage lourd, vu que c'était prévu pour des affrontements, enfin pour surpasser n'importe quel autre cuirassé équivalent. C'est des navires qui sont peu maniables, donc je pense que le gros problème c'est qu'en fait, si jamais je perds l'affrontement, en avis, ils pourront pas se replier et seront démolis. Mais bon, je doute qu'on perde un affrontement si je commence vraiment à me concentrer sur ma flotte. Parce que ça sera pas une flotte de 5 ou 6 navires, enfin de 15 navires qu'on avait comme dans la mer Baltique, mais ça sera une flotte de 100 navires, ou au moins de 80. Et on a bientôt la présence de Singapour, donc ça c'est une excellente nouvelle. Singapour va tomber sur notre contrôle, il ne restera plus qu'après à prendre ce qu'il y a juste derrière. Donc voilà, nous avons atteint tous les objectifs que je m'étais fixé pour cette vidéo, donc voilà, c'est un épisode assez long, 41 minutes. Je n'ai plus de pénurie de ressources. Je pourrais, entre les deux vidéos, m'occuper de réaligner intégralement ma production et d'augmenter ma production des matériels manquants, notamment Katusha, notamment revoir au niveau de l'aviation, revoir au niveau naval, revoir au niveau des tanks. Et bon, tout ça, je gère entre les deux. Je vous montrerai la conclusion de tout ça, comme j'avais fait pour l'épisode 14, et de ce qui adviendra de l'armée. Donc là, nouveau canon anti-char d'ailleurs, vous avez pensé. En tout cas, notre campagne avance plutôt bien. Nous avons capturé l'Asie, nous avons quasiment capturé ce qui reste en Europe. Il restera plus que la campagne d'Afrique encore à faire en Europe et en Afrique. Et après, ça sera direction les États-Unis et le Pacifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde. Et bien évidemment, vous aurez droit prochainement à l'atomisation des États-Unis. Et oui, j'ai prévu quelques bombes atomiques pour eux. Allez, à la prochaine tout le monde.